Donc, je donne la parole à M. Moreno qui sera pour trois minutes, qui sera suivi par M. Pradier pour trois minutes aussi. Madame la Présidente, chers collègues, le monde agricole est sorti du silence. Nos agriculteurs, nos producteurs d'Occitanie sont confrontés à des défis sans précédent et multiples, depuis la fluctuation des prix des matières premières au changement climatique, en passant par la concurrence déloyale, doivent faire face à des obstacles majeurs pour maintenir leur activité à flot. La crise agricole ne se résume donc pas seulement à une question économique. Elle englobe également des enjeux sociaux, environnementaux et de santé publique. Le monde agricole est en colère. Il pointe la sous-rémunération de son travail, des revenus insuffisants pour celles et ceux qui ont l'obligation de nous nourrir sainement et durablement. Le monde agricole est en difficulté. Et dénonce un système qui asphyxie les différentes filières agricoles et notamment les filières bio et viticoles plus impactées que les autres par la crise. Alors, parce que nous reconnaissons l'urgence, l'urgence d'agir pour soutenir nos agriculteurs et garantir la pérennité de notre secteur agricole, c'est dans la concertation, comme nous avons l'habitude de le faire, que la région a adapté ses dispositifs d'accompagnement. Dans la mesure de ses compétences pour apporter des solutions et des moyens à une sortie de crise. Les enjeux sont multiples. Du renouvellement des générations en passant par l'accès aux fonciers et l'accès à l'eau, je voudrais particulièrement, particulièrement insister sur ce dernier point. Comme cela a été défini dans le cadre du plan voté à la paix de juin 2023, la région Occitanie apportera un soutien renforcé à l'usage de l'eau agricole, tous concernés tous mobilisés en Occitanie, n'en déplaise à M. Pradier. Une irrigation raisonnée, maîtrisée et qualitative à partir de réseaux régionaux et de retenues hivernales et collinaires de type collectif ou individuel. Ce n'est pas un gros mot que de parler de retenue d'eau, surtout lorsqu'il s'agit des de Sevenol ou méditerranéens, de capter les eaux de pluie qui se jettent à la mer ou qui provoquent des inondations et des millions de mètres cubes qui se perdent. Oui à l'eau agricole et viticole dans une région où l'agriculture et la viticulture sont la première activité économique, activité qui aujourd'hui est confrontée au changement climatique et à la sécheresse. L'accès à l'eau par l'irrigation est une assurance récolte. Nous devons réaffirmer, au même titre que pour l'eau potable, la nécessité de sanctuariser l'usage de l'eau pour l'irrigation agricole au regard des enjeux de souveraineté alimentaire. La crise agricole a renforcé l'urgence à agir collectivement sur la question de l'hydraulique agricole. Pour cela, la région se mobilise aux côtés des agriculteurs et des partenaires, que sont l'État, le département, les agences de l'eau. Elle amplifie son action au travers de plusieurs initiatives en concertation avec la Chambre régionale d'agriculture sur un certain nombre de projets déjà identifiés, dont vous avez parlé tout à l'heure, Madame la Présidente, une trentaine de projets. Je voudrais rappeler également. Que la région est engagée en tant que partenaire de certaines organisations professionnelles et régionales dans le domaine de la recherche, comme l'Institut français de la vigne, l'INRA et la Chambre d'agriculture sur l'innovation variétale, en viticulture en particulier, sur l'adaptation de cépages résistants à la maladie et à la sécheresse. Le climat change, le cycle de l'eau change, les règles européennes et nationales doivent donc s'adapter à, à ces différents et nouveaux usages. Je vous remercie.